Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, on est parti pour tester eh bien un jeu, c'est une OP, donc je vais vous présenter tout simplement un jeu qui s'appelle Hero Hunters. Vous allez voir que c'est pas si mal pour un jeu mobile, honnêtement il y a des trucs vraiment sympas. Globalement il y a une partie PVP, une partie campagne. Je vais vous montrer d'abord la campagne parce que c'est le plus simple. Donc il y a une partie en gros campagne normale et campagne difficile. Dans la difficile vous allez pouvoir débloquer en gros des personnages. Moi mon compte là j'ai rien acheté, j'ai rien payé, j'ai rien reçu, je suis un compte gratuit hein, comme tout le monde. Je me suis un peu pris au jeu, je me suis surpris à y jouer ouais je dirais 4-5 heures. Ça m'a pris quand même un peu de temps. Donc là je dois avoir 5 heures ou 6 heures de jeu, je sais pas trop, mais en tout cas je me suis surpris un peu à y jouer. Alors vous allez du coup avoir votre personnage que vous allez pouvoir du coup cacher pour pouvoir shooter sur les mecs. Alors quand vous tirez, votre mec sort de sa couverture et quand vous glissez avec votre doigt vers le bas, et bien il se planque. Le but étant de pas être trop exposé aux mecs en face, parce qu'ils font relativement mal. Commencez à focus les snipers par exemple, donc changer de direction comme ça par exemple pour snipe, pour éviter la balle du sniper. Alors lui c'est un mec qui est étourdi, donc on peut changer de perso. Lui c'est un healer, donc lui avec lui je heal tous mes collègues en sacrifiant des points de vie en gros à ce personnage là. Lui c'est une sorte de tank, et on a également lui. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi deux trucs que vous allez pas voir pour l'instant, mais c'est qu'en gros il y a des couleurs. En gros celui-là fait quand même pas mal de dégâts. Alors en gros chaque personnage a son némésis, donc en gros le feu ça contre on va dire entre guillemets l'eau. C'est un peu bizarre je trouve, c'est un peu l'inverse si tu veux des Pokémon ou quoi. Alors j'ai pas joué au jeu depuis genre une semaine et demie, mais à un moment j'ai quand même pas mal joué du coup hein, pour avoir fait. Oh là là j'ai un deuxième mort, donc là on va essayer de pas avoir de troisième mort sinon ça va être la merde. On va jouer le healer, faut pas que le healer meure. Donc là oui j'ai une palissade qui me protège. Il faut vraiment essayer de rester toujours à couvert et essayer de viser. Bah peut-être vers là, mon mec s'est fait stun, il va peut-être mourir je pense. Ok il est mort. Ok donc là par exemple j'ai eu 3 morts. Du coup je vais moins gagner de récompense à la fin, parce que plus vous avez de morts et moins vous avez de récompense. Alors par contre dans le jeu il y a des promotions partout hein. Promotion blabla, promotion blabla, promotion blabla. Bon moi j'ai rien dépensé, dépensez rien, vous avez pas besoin de dépenser pour pouvoir avancer dans le jeu. À un moment je pense vous allez forcément commencer à être limité etc. Mais dans le jeu par contre ils vont vous donner du désir hein. Ils vont clairement faire que du coup t'auras envie de tout acheter quoi. Donc voilà. Moi ma composition, alors quand vous lancez une partie, vous voyez du coup ce que vous pouvez gagner. Donc là en balle ce que vous pouvez gagner. Vous avez besoin en gros d'avoir des objets pour pouvoir débloquer en gros des puissances de personnages. Moi j'ai essayé de faire une setup pour pouvoir faire du PVP. Les mecs qui sont en brun, donc là vous voyez que ce mec là il est en brun, globalement ça veut dire que du coup il est amélioré mais pas à fond, parce qu'en fait moi j'ai amélioré d'abord les healers, parce que vous allez voir que les healers en PVP c'était pas mal du tout. Enfin, personnellement moi j'aime bien, donc lui c'est un healer, lui c'est un healer, lui c'est un DPS, lui c'est un DPS. Et vous voyez qu'il y a des systèmes d'étoiles qui correspond en gros à du scaling, mais en PVP chaque personnage a une valeur. La valeur, vous voyez la puissance en gros, vous voyez que je suis à 4100, et vous pouvez changer votre compo comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez rajouter un tank, vous pouvez changer celui-là par celui-là, etc. etc. Donc moi j'ai ces personnages là. Vous allez aussi récupérer des coffres dans lesquels vous allez pouvoir avoir des persos random. Moi le perso random que j'ai eu c'est celui-là. Alors focusez toujours les snipers, si vous focusez pas les snipers vont one shot vos unis. Les one shot, les snipers one shot quasiment hein. En tout cas les snipers adverses. Donc là, alors chaque personnage aussi a un pouvoir. Vous allez voir que du coup alors là c'est un pouvoir qui augmente les dégâts de mes alliés. Donc là lui il peut pas se heal tout seul, il peut juste heal les autres. Donc là il est vraiment en PLS, donc je vais jouer le perso en PLS. Non, putain, j'ai pas straffé, merde, j'ai oublié de straffer. Non, oh merde, je suis entré dans la zone, putain, je suis con. Je fais de la merde. Peut-être le dernier, bon, on va voir. J'espère qu'il reste pas une zone entière, parce que s'il reste une zone entière, on est archi mort. Ok, donc là c'est l'élite, c'est un élite, donc il est plus fort que les autres. On utilise le pouvoir. Ok, bon c'était dernier, on s'en est sorti, mais c'était quand même chaud. Ok, passons maintenant au PVP. Donc là vous avez vu en gros la campagne PVE, ça se résume à ça, enfin la campagne normale PVE. On va voir qu'il y a aussi une campagne difficile, il y a aussi les raids. Je vous ai montré en gros une partie du PVE. Maintenant je vais vous montrer le PVP. Après je vous montrerai les PVE un peu plus complexes. Alors ok, donc là pour le PVP, je pense que je vais prendre cette compo là. En gros j'ai deux tanks, deux healers et un DPS. Mais vous voyez que du coup mon arsenal à gauche il passe à 4000. Imaginons je mets lui, vous voyez que je fais 3200. Donc ça peut être intéressant en gros de pas faire une composition trop forte pour pas avoir trop de score, parce que plus vous allez avoir un score haut, plus vous allez contre des mecs qui vont être forts. En gros, même si vos personnages sont faibles, vous allez tomber contre deux mecs qui sont des personnages faibles. Là par exemple j'ai 4000 et quelques, je vais tomber sur un mec entre 3500 et 4500. Bah 2500. Bon bah lui pas de chance, il est tombé contre moi, donc là pour le coup il est archi mort. Il faut essayer de perdre le moins de personnages possible, parce que chaque fois que je perds un personnage, vous voyez qu'en bas j'ai des petites étoiles, des petites vies. Dès que je me fais toucher par un mec, eh bien je perds des vies, et donc les vies je les récupère pas. Donc en gros l'idée c'est de contrôler le mec qui est le HP et essayer de le faire bouger pour pas que le mec en face le tue quoi. Alors le mec de feu, là qu'il a, fait beaucoup de mal contre le mec d'eau. Donc en gros là il focusait avec son mec de feu, il focusait mon mec d'eau. Le mec de feu qu'on counter le mec d'eau, enfin, le symbole d'eau. Enfin c'est pas de l'eau en vrai, mais c'est pour que ce soit simple à comprendre. Et du coup donc là voilà, j'ai gagné 40 points en bas. Et dès que j'ai 500 je peux acheter un perso. Donc vous voyez que du coup ça va assez vite de récupérer des personnages. Après il y a différents persos que vous pouvez acheter. Donc 500 pour un personnage, un premier personnage de base, etc, etc. Donc c'est 500 x 3 je crois, c'est 3 fois 500. Vas-y, on est contre un mec qui a l'avantage contre nous, on va voir du coup comment ça va se passer. Alors évidemment quand vous allez jouer,
ça l'aggra pas autant. Vous voyez que là je fais des dégâts en vert, qui veut dire qu'en gros je lui fais plus de damage parce que j'ai la bonne couleur contre la bonne couleur, donc vert contre rouge. Donc là il a heal son mec, on va essayer d'utiliser le pouvoir sur le mec de la meuf de derrière. On va focus, on va prendre le tank. On va essayer de faire bouger le tank pour pas qu'il meure. Ok, donc dommage, le moment est le tank est mort. Donc on peut reload, en bas à gauche vous avez un reload. Prenons le healer ici pour pas qu'il meure. Ah, mon tel est en galère les mecs, hein. Normalement mon tel est beaucoup plus fluide que ça, mais là j'ai l'impression que c'est terrible. Donc croyez-moi bien, normalement je les défonce beaucoup plus vite les joueurs en face, hein. Ok, switchons. Et donc il reste le dernier. Ok, donc on a perdu un mec. Bon, en vrai je pense que si j'avais pas de problème de téléphone, je pense que j'aurais perdu personne. Mais donc en gros le but c'est vraiment de perdre le moins de mecs possible pour gagner le maximum de points et pouvoir jouer en PVP très longtemps. Parce qu'une fois que vos mecs sont consommés, vous devez attendre 24 heures pour pouvoir rejouer avec ces mêmes personnages. Et ça, quand vous faites 5 victoires en PVP, vous gagnez également un coffre dans lequel vous avez récupéré quelque chose. Donc on fait un dernier combat PVP. Bon, ok, dernière game, on va essayer du coup de gratter la victoire pour faire la dernière victoire du jour. Bon là je focus un tank, c'est pas très malin, mais bon. Espérons qu'on arrive à le tuer avant que la healeuse puisse heal. Nickel, on va prendre le tank pour pouvoir focus la healeuse parce que c'est le contre à la couleur, donc le rouge contre le bleu. Contre le. Donc là, il faut la tuer, hein. Sinon, elle va heal énormément. Il essaie de la jouer, on la cut. Nickel, donc c'est bon, on a win. Bon, c'était pas facile parce que clairement, mon tel est vraiment en galère, c'est grand mort. On sait que des fois, vous avez des petits freezes et des problèmes de son. Puisque. Le jeu consomme normalement. Mais le truc c'est que là, jeu plus record plus machin, forcément il y a des saccades. Ok, donc on a gagné, tranquille, voyons voir. Donc là c'est le coffre de PVP que je vous ai dit tout à l'heure quand tu gagnes 3 games. Réclamer, donc là on l'ouvre. Et on gagne bah, des tickets de victoire rapide. Alors ça c'est pour faire les campagnes PVE en instantané. Donc là la boutique de PVE par exemple, vous voyez quand on a 700, là j'ai 1740. Donc j'ai tué un kill c'est 20 points, donc j'en ai tué beaucoup. Je peux acheter par exemple bah, ce personnage là, vous voyez que je suis en train de l'acheter. Donc là il m'en manque encore un petit peu, donc là j'achète encore 10. Donc pour 1000, vous voyez que je l'ai quasiment. Et dès que c'est complet ça, eh bien j'aurai ce personnage là. Donc là vous voyez que bah, il m'en manque, je l'ai en fait. Donc là je veux voir le héros et je l'active. Donc là je viens d'acheter un nouveau perso. Je le déverrouille, avec 12 000 crédits qu'on a en faisant des campagnes. Et voilà, donc j'ai un nouveau perso, donc là je viens de réavoir un perso que j'avais pas encore. Et c'est un personnage voilà, qui me paraissait pas mal. En général, je vais essayer de choisir des personnages qui ont des sorts qui me paraissent adaptés. Globalement, ce que je n'aime pas, donc là c'est des objets, je vais équiper des objets pour pouvoir la faire upgrader. Et donc là par exemple, je peux la faire level up avec des points d'XP que j'ai gagné en campagne également. Donc voilà, par exemple là elle est niveau 10, niveau 12. Et voilà, donc du coup, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, elle pourra également faire du PVP pour elle-même gagner des points contre d'autres joueurs. En PVP, vous pouvez aussi lancer des combats avec un seul mec. Et si vous tombez contre un seul mec en 1v1, si vous avez la counter qui contre l'adversaire, vous allez gagner. Si vous avez un counter qui sait counter, vous allez sûrement perdre. Ok, donc là, vite fait, je vous montre donc là, les trucs en difficile. Donc en gros, c'est les mêmes niveaux, mais en plus dur pour pouvoir gagner. Vous voyez que la récompense de ce truc là, c'est de gagner du coup des cartes qui permettent de débloquer des persos. Donc ça prend quand même pas mal de temps, mais voilà, donc c'est jouable par là aussi. Alors il reste encore quelques trucs, il reste encore les défis, les raids quotidiens et les raids coop. Alors je vais vous montrer en gros les raids coop ce que c'est. En gros, alors les raids solo, c'est en gros vous affrontez 3 boss en solo, et les raids coop, vous allez jouer avec un inconnu, et vous allez, ou un pote d'ailleurs, vous pouvez jouer avec un pote en fait, et vous allez devoir battre du coup, et bien. Des mecs un peu balèzes. Donc je crois que vous pouvez jouer jusqu'à, enfin en tout cas je sais qu'on peut jouer à 2 voire peut-être plus, mais voilà. On va prendre ça, on va prendre 2 healers et le personnage là. Donc let's go. Donc là on est très en dessous de la puissance qu'il faut. Normalement il faut 4100, j'ai 2600 de puissance, je peux avoir 3 personnages. Et là vous voyez que bah du coup mon mate, bah comme moi je suis très en dessous de la valeur, lui il est très au-dessus, donc lui il a 10 000. Donc 10 000 c'est insane, hein. 10 000 c'est énorme. D'ailleurs on voit qu'il a les personnages que j'avais tout à l'heure, hein, qui met lui très évolué. Il a probablement dû beaucoup jouer, ou alors peut-être payer. Mais vous avez pas besoin de payer parce que vous allez jouer contre des mecs qui sont de votre niveau. Donc là du coup on est en raid coop. Donc là en gros lui il contrôle ses personnages, moi je contrôle les miens. Mon but à moi c'est de pas perdre mes persos. Donc imaginons il y a un mec qui est en galère dans ma team, je vais essayer de pas le perdre. Donc là ce sort là qui est un sort qui augmente les dégâts de votre team, donc très utile en PVP. Donc imaginons il y a une bonne strat par exemple qui peut être de, si vous voulez faire que du PVP, vous améliorez ce personnage là au rang max, donc enfin au rang 2, pour avoir ce truc là de dégâts supplémentaires sur vos potes. Et vos potes sont très bas level, du coup en gros vous avez très très peu de valeur de dégâts. En gros vous êtes considéré comme faible, alors qu'en fait ce personnage là file des dégâts à tout le monde quoi. Donc si vous arrivez à le protéger c'est bon. Donc là il faut focus un peu sa cage thoracique, on va dire, espèce de truc derrière, et qu'il faut le tuer avant les 3 minutes 35. Donc là j'imagine que ça devrait aller. Donc là vous voyez qu'il a 107 000 HP. Donc voilà, donc là on focus ici, on utilise le pouvoir pour lui faire des dégâts. Il a 90 000 là, et normalement je crois que quand il meurt on a gagné. Donc là on évite évidemment les trucs au sol, sinon c'est la merde. Voilà, j'ai un mort, donc là on évite ce coup là sinon on est archi mort. Mon pote se heal et là il reste 20 000 HP. Ok, on évite son sort. Donc là on va le cut et ça devrait être bon. Et GG.
Donc là, le bot qui est mort, enfin le boss qui est mort, et du coup le raid est fini, donc on gagne le raid. On gagne ces deux récompenses là qui sont des récompenses assez rares. Et voilà, du coup on a un maximum de victoires par jour, etc, etc. Après évidemment tout est fait pour vous donner envie de jouer tous les jours, etc, et toutes les connexions, etc. J'ai pas vraiment pu vous montrer en PvP ce que je faisais, mais honnêtement en PvP j'étais pas trop mauvais, je gagnais genre 75% des games. Vraiment faut switcher, prendre les bons focus, prendre les bons counters, etc. Et pareil, je vous incite à ne pas acheter les personnages qui envoient des grenades au sol, parce que c'est très facile à éviter en PvP, donc ça marchera pas en fait. Vous allez passer plus de temps à envoyer la grenade que le mec va mettre à l'esquiver, donc prenez les personnages qui ne sont pas comme ça quoi. Voilà, donc par exemple le défi, donc juste pour vous montrer un peu le délire, donc imaginons on alloue un mec à un secteur, donc là j'ai par exemple alloué ce mec là à ce secteur, il ne pourra pas être alloué au prochain secteur, donc du coup imaginons je fais suivant, vous voyez qu'en termes de dégâts je suis largement bon pour les tuer, donc du coup ça devrait aller. Et donc du coup comme on a mis quand même des mecs relativement forts, il faut vraiment pas perdre de personnages, parce que quand vous perdez un personnage dans ce mode vous l'avez plus pour la suite du mode, donc en gros vous avez 3 niveaux à compléter. Et quand vous complétez 3 niveaux, vous gagnez des points, et encore une fois, c'est pour acheter des persos, etc, etc. C'est une boucle. Voilà, voilà, donc en gros, on a fait le tour du coup de Heroes Hunters. Moi, ce que j'en pense, c'est que le jeu est sympa, il y a des mécaniques agréables de switch, etc. Ne tombez pas dans le panneau de vouloir être le plus haut level, sinon, clairement, vous n'y arriverez jamais. Donc, ça prendra un temps infini de ça. Mais jouez pour le plaisir, faites-vous des kiffs en PvP, etc. C'est sympa, moi, j'y ai joué 4-5 heures. Je trouve ça marrant, le PvP est très agréable, je trouve, il y a vraiment des trucs à faire. Vous pouvez vraiment outplay un mec qui a plus de stuff que vous. Si vous gérez bien la gestion, en tout cas, des covers. Les covers, faut vraiment jouer derrière les covers, notamment en PvP, etc. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était une petite OP, mais voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît quand même. J'ai essayé de vous donner un peu un avis un peu objectif sur le jeu. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. À bientôt. C'était Sky. Ciao. Bisous.